Bonsoir, une vidéo sur Prologue et l'IA en introduction un petit peu à Prologue et pour montrer un petit peu d'autres choses que ce que je montrerai par la suite. C'est-à-dire, par la suite, je vais montrer Prologue comme un langage de programmation, mais là, ce que je vais montrer, c'est plutôt Prologue, euh, plutôt pour faire de l'IA, mais pas tant, tant pour faire de l'IA parce que ça ne sera pas mon objectif par la suite, mais en quoi il est un peu différent des autres langages. Et euh, en fait, ça vient probablement de l'origine de Prologue, qui au départ ne devait pas être un langage de programmation. Au départ, euh, ça devait être un système plutôt euh, de conversation entre un ordinateur et, et son utilisateur, où l'utilisateur au départ pourrait dire un petit peu euh, ce qu'il euh, connaît de, de, du monde, de l'univers, et puis ensuite poser des questions à l'ordinateur, et l'ordinateur euh, devait pouvoir lui répondre, trouver des des déductions à partir de ce qui avait été dit pour répondre aux questions. Donc, euh, le côté langage naturel, poser des questions, euh, ça, ça a été un peu abandonné dans Prologue, mais par contre, le fait qu'on puisse décrire un petit peu l'univers et puis en faire des déductions dessus, euh, ça, ça a été gardé. Et c'est pour ça que ça a été utilisé beaucoup après par, pour faire de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a un mécanisme derrière Prologue qui permet d'un peu de déduire des faits euh, à partir de, de faits qui sont déjà connus. Alors, pourquoi la, la grande question, c'est pourquoi euh, Prologue, qui date des années 70, euh, existe encore euh, et est encore utilisé, encore enseigné, euh, alors que bon, ce n'est pas le langage le plus perfectionné euh, pour faire du développement logiciel, ce n'est pas le langage le plus efficace, euh, c'est un autre langage des années 70 qui sera probablement parmi les, les postulants au, au langage le plus efficace, je pense au C. Euh, ce n'est pas non plus le langage qui aujourd'hui est utilisé pour faire de l'IA, parce que euh, l'IA aujourd'hui, c'est plutôt une IA euh, orientée euh, statistique, euh, analyse de, de, de masse. De, de, mais euh, euh, l'IA dont, dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est plutôt l'IA symbolique où on essaie de raisonner sur quelques faits. Euh, donc, la, la, la qualité de, de, de Prologue, c'est plutôt d'être un langage basé sur la logique. Ça, c'était à, à la base, pour pouvoir faire des déductions, mais aussi pour pouvoir exprimer euh, le les relations qui existent entre les, les objets du, du monde courant. Et c'est peut-être euh, cette importance plus importante, importance plus grande euh, de la logique dans la programmation en prologue euh, qui fait qu'aujourd'hui encore, c'est un langage très intéressant. Et puis, ça permet de faire un pas de côté un petit peu euh, pour comprendre les notions euh, habituelles hein, de, de, de variables, euh, de, euh, de conditionnels, de, de, de boucles, euh, en algorithmique parce que en prologue donc euh, comme c'est plutôt teinté de logique euh, c'est vu un peu différemment et ça va donner des résultats un peu différents et alors ce qui ce qui est intéressant alors aussi de voir c'est que ça donnait lieu à d'autres formes de langage de programmation euh, qui sont plus orientées euh, vers la euh, programmation qui est peut-être plus light quelque part ou un peu différente. Ce n'est pas une programmation il s'agit de dire ce que doit faire la machine, comment doit faire la machine, mais qui doit dire juste ce qu'on voudrait comme résultat. C'est-à-dire quelles sont les propriétés des résultats, quelles sont les propriétés du monde qui nous entoure. Un petit peu, après, laisse la machine essayer de trouver elle-même, donc une partie de l'intelligence du programme. ne sera pas dans ce qu'a donné le programmeur qui lui dit ce qu'il veut comme résultat, mais plutôt dans la machine elle-même, Prologue, qui va chercher les réponses aux questions qui sont posées. Ça, c'est basé. Sur de la logique. Donc l'exemple que je vais prendre, c'est un exemple des années 70 aussi, euh, pratiquement l'exemple original. Alors moi j'ai j'enverrai un petit peu mon exercice, enfin mon exemple, pardon, euh, sur euh, les femmes. Donc, euh, je prends une famille qui est plus ou moins bien connue, c'est la famille des, des Ingalls, des petites maison dans la prairie. Euh, donc, Caroline, qui était la mère de Mary, de Laura et de Carrie, euh, était aussi fille de, de, de Charlotte. Et puis, on connaît moins après le, le reste de la famille euh, du côté des femmes. Mais donc, j'ai inventé en prenant un petit peu les, les femmes de la famille de, de, de Charles Ingalls. Et donc, euh, le point de départ de... Euh, d'un programme qui essaierait de trouver un petit peu des relations ou pouvoir discuter sur cette famille-là. Euh, on, on va pas tant discuter là, hein. on va plutôt programmer les choses. C'est euh, d'établir toutes les choses qu'on connaît de cet univers-là. Et les choses les plus simples de dire, c'est que bah, donc Martha, par exemple, est la fille de Charlotte, tout comme Caroline, qui est fille de Charlotte, et ainsi de suite. Donc, on commence par une chose qui ressemble un petit peu à une base de données de tous les faits, euh, de toutes les relations de fille à mère, euh, ce qui permet ensuite donc L'ordinateur connaissant tous ces faits-là, de pouvoir lui poser les questions les plus immédiates, les plus évidentes, c'est est-ce que Caroline est fille de Charlotte Et il va regarder dans les choses qu'il a apprises, et effectivement trouver assez facilement, il n'y a pas beaucoup de déductions à faire là, que, euh, donc il répondra eh, c'est oui, c'est vrai, Caroline est fille de Charlotte. Et euh, inversement, ça par contre c'est intéressant, euh, ce n'est pas évi évident, il euh, y a Caroline et Rose dans la base, mais il n'y a pas de relation euh, de fille à, à mère entre Caroline et Rose, parce qu'effectivement, si on regarde généalogique là, euh, que je remets là pour parce que tout au long de, euh, de la vidéo j'en je avoir besoin. Euh, Rose est la petite fille de Caroline et pas la, la fille. Donc si on cherche si Rose est la fille de, de, de Caroline, euh, bah, ça répondra faux, effectivement. Ça pourrait répondre, des fois ça répond plutôt euh, j'ai pas réussi à trouver que comment prouver, euh, à partir des faits que je connais, euh, un lien de, de mère à fille entre Caroline et Rose. Bon, ce qu'on qu a fait là, c'est en fait chercher simplement dans les faits si on avait un qui ressemblait. Euh, on peut aller un peu plus loin dans les questions qu'on peut poser à, à la machine. C'est par exemple lui demander, euh, Caroline, euh, est-ce que, euh, donc on la connaît, euh, là elle est représentée, euh, est-ce que je pourrais savoir si, euh, de qui elle est la fille Caroline, elle est fille de quelqu'un probablement. Euh, sauf que je, je veux savoir qui, je veux pas donner la... Pour savoir si c'est bien la fille de Charlotte, je voudrais te donner une variable et puis qui me résolve l'équation un petit peu. Est-ce que tu peux me parler de la mère de, de Caroline Donc j'ai introduit une variable ici. Enfin c'est une variable au sens prologue, donc c'est une inconnue. Donc j'aurais pu mettre un point d'interrogation peut-être pour dire que c'est une inconnue. Enfin la, la syntaxe euh, prologue, c'est pour dire les variables, c'est des, euh, des identificateurs qui commencent par euh, une majuscule. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et du coup, quand je pose la question à un Prologue, eh bien, il va chercher dans la base de règles est-ce qu'il n'y aurait pas une relation fille entre Caroline et quelqu'un Et si oui, ben, ce quelqu'un, ben, je vais en déduire que c'est la mère que l'on cherche. Et effectivement, il trouve qu'entre Caroline et euh, bien Caroline, hein, voilà, Caroline et euh, Charlotte, il y a une relation de fille. Donc, ça veut dire que ben, la variable que je cherchais, mère, j'ai appelé mère, mais hein, parce que c'est la voilà, mère, ben, euh, c'est la réponse à, à la question logique que je posais. Quelque part là, en fait, j'ai défini. D'ailleurs, j'en ai parlé. Hein, j'ai défini un nouveau concept. Il y avait le concept de fille. Je suis en train de définir un concept de mère. Et euh, je pourrais, pareil, avoir une base de faits donnant les relations entre toutes les mères et les filles. Ça serait cette base-là, mais euh, on, on inverserait le rôle de fée, mère et de fille. Alors, en prologue, on ne va pas faire ça. Parce que euh, c'est peut-être pas nécessaire, on peut déduire la relation mère à partir de la relation fille. Euh, la, re la relation mère entre une variable, là, vous voyez, j'ai mis des majuscules partout, c'est parce que je vais avoir des variables, entre une mère et sa fille, ça sera la même entre euh, une mère et sa fille, vu comme étant une relation de fille, à partir de la fille donnant la mère. Et donc là, cette écriture-là, en prologue, dit que donc, pour trouver une relation de mère entre une variable, première variable et cette deuxième variable, que j'appelle fille, mais il faut que je trouve une relation entre, de, de type fille, entre la variable fille que j'ai appelée fille, là, et un deuxième paramètre qui serait la mère, qui serait le premier paramètre. Donc c'est comme si là, là vous voyez, j'ai fait réécrit euh, toutes mes relations fille en inversant le rôle de, paie, de mère et, et de fille. Et effectivement, maintenant, si je pose, donc tout à l'heure, je demandais euh, euh, Caroline. Euh, elle est fille de qui, donc de sa mère Charlotte. Maintenant, si je pose la question, euh, Charlotte du coup, elle est mère de qui euh, Donc a priori, donc c'est pour ça que j'ai noté ce, ce nom-là, cette euh, euh, variable, fille, il va me déduire en utilisant d'une part, euh, alors attention, parce qu'il ne me déduit pas que c'est Caroline, hein, tout de suite. Hein, donc on va voir pourquoi. Mais euh, tel que ça devra être fait, on va voir après pourquoi il donne Martha. Euh, il va commencer par dire Ah, je cherche mère dans ma base de fait, je n'ai pas de mère, j'ai que des filles. Par contre, j'ai une règle supplémentaire qui me permet de trouver les mères en cherchant à partir des filles. Donc je transforme ma règle, ma requête, chercher les, euh, les filles de, de la relation euh, mère avec Charlotte en chercher euh, les, les filles cette fois ici de la relation fille avec Charlotte, cette fois en deuxième. Et qu'est-ce que je trouve dans ma base Donc si je voyais Charlotte en deuxième, eh bien, je trouve que ce que je cherchais, c'était Martin effectivement si je regarde l'arbre ici alors là euh, donc je cherchais les, les, euh, de qui euh, charlotte était là la... c'était ici voilà de qui charlotte était euh, la, la mère eh bien, elle est la mère de martha effectivement en premier et puis hein, ensuite elle va me répondre caroline Mais en tout cas dans un premier temps il me répond martha et ce qui est assez étonnant par rapport à tout à l'heure c'est que euh, me dit bon donc j'ai trouvé euh, vous m'avez posé une colle euh, de qui charlotte est elle la mère et eh elle est la mère de martha mais euh, il dit aussi, attention, peut-être que j'ai d'autres. Euh, je n'ai pas encore tout exploré de, de l'espace de, de, des solutions. Euh, on peut peut-être en trouver d'autres. Et c'est là où, quand je devais demander donc, une autre solution, il va me répondre que ben, Charlotte est aussi mère de Caroline. Donc là, quelque part, il y a eu deux exécutions. Une première exécution pour trouver la première fille, euh, la première variable fille euh, dont Charlotte serait la mère, et puis une deuxième variable fille. Donc c'est deux résolutions de l'équation résolution là c'est assez étonnant quelque part du point de vue de l'algorithmique où on est habitué à plutôt avoir pour une variable une réponse et pas Plusieurs variables. D'un point de vue base de données, non, ce n'est pas si grave, enfin, ce n'est pas si, si étonnant parce qu'on peut avoir plusieurs, on peut poser une question select et puis avoir plusieurs euh, résultats en sortie. C'est un peu le, le cas là. Sauf que ce n'est pas des bases de données. Entre les deux, on a fait une déduction, c'est-à-dire qu'on a inversé quelque part la requête. Alors, on aurait pu, euh, si ça aurait été plus proche des bases de données, en fait, poser la requête. Euh, Est-ce que euh, si j'ai une variable phi, dont je ne sais pas qui c'est, parce que c'est une variable pour euh, est-ce que je peux savoir de qui elle est fille par contre le résultat ça doit être charlotte euh, autrement dit euh, euh, quelle est la fille de, quelle sont ou quelle est la fille euh, de charlotte parce que je dis qu'elle est la fille de charlotte parce que charlotte elle, elle est connue c'est euh, c'est pas une variable vous voyez ça commence par une petite tête donc ça, ça comme c'était une chaîne de caractère ça donc c'est une constante et là, ça c'est assez étonnant parce que par rapport à la question de tout à l'heure hein, sur FI, euh, j'étais parti de Caroline pour trouver euh, les, euh, les associations possibles avec Caroline. Euh, donc, quelque part, là c'était dans FI euh, comme si on avait un programme qui s'exécutait avec les entrées d'un côté et les sorties de l'autre, en premier paramètre, puis en sortie, en deuxième paramètre. Là, euh, je pose le, le même programme, hein, je n'ai pas changé le programme entre les deux, mais euh, c'est le deuxième paramètre qui est une entrée. Et euh, l'inconnu, la notion d'inconnu, elle, par contre, elle, n'existe pas, de, elle pas hein, en programmation. Mais ça serait le premier paramètre. Donc on a inversé un petit peu le rôle. Et là, si je pose la question, en fait, euh, bien, effectivement, il va me retrouver bon, les mêmes réponses que tout à l'heure. Hein, C'est-à-dire que euh, Charlotte, euh, elle est euh, l'individu qui, euh, enfin, qui sera pour laquelle, qui sera sa fille. Et il dira Bon, voilà, j'ai trouvé une première solution, mais il y en a peut-être d'autres. Il suffit de demander, et effectivement, il donnera comme deuxième réponse que Caroline est aussi fille de Charlotte. Donc, ça, c'est aussi une autre chose assez intéressante et étonnante par rapport à la, la programmation habituelle c'est que il y a non, non seulement il n'y a pas de statut euh, ou de type euh, pour définir euh, ici que c'est une constante ou une chaîne de caractères ou un entier ou quoi que ce soit, il y a un typage dynamique mais même euh, la notion d'entrée de, et sortie, de variable euh, ou de, de constante est euh, pas définie tout fonctionne quelque part donc ça, ça sera un, un, des choses qui existent ailleurs dans, que dans Prologue mais qui, qui est super intéressante dans tous les langages où ça existe, c'est la notion d'unification euh, pour clore avec euh, juste la, la relation et fille, euh, au final, on aurait pu poser une question beaucoup plus générale. Bah, Donnez-moi tous, tous les couples euh, fille-mère. Euh, là, donc, on retrouve un petit peu la, 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 ce qu'on fait facilement avec les, les, les bases de données, le Select étoile. Et il va me répondre J'ai trouvé une première façon de dire euh, qu'une fille est fille de sa mère. Il y a la relation FI, ben c'est entre Charlotte et Martha, mais on peut lui en demander une deuxième, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite pour la dizaine de, de relations qui sont là. Il donnera la dizaine de réponses. Et puis il s'arrêtera, ce qui est bien parce qu'on euh, peut aussi un peu, euh, quand on est parti comme ça dans une boucle qui a pas l'air de... Enfin, qui, qui a l'air d'avoir beaucoup de réponses, on pourrait s'inquiéter de partir à l'infini. Je n'ai pas regardé, mais euh, il n'y a que, effectivement les dix relations, enfin, la dizaine de relations euh, qui existent là précisément, et pas plus. Euh, essayons de faire quelque chose un peu plus compliqué, peut-être. Euh, je voudrais savoir maintenant, euh, quelle est la petite-fille de Rose, Quelles sont les. Ou Rose, est-ce qu'elle est, qu est petite-fille de quelqu'un Alors, pour ça, il faut que je regarde euh, Rose, de qui elle est, elle est la fille, donc j'ai appelé cette variable-là intermédiaire mère, et puis cette mère, de qui elle est la fille, donc j'ai appelé cette variable-là intermédiaire euh, grand-mère. Donc, j'ai posé deux... Euh, deux questions en, en une. C'est un peu comme si j'avais fait, du, là aussi, des bases de données, si je prends repère. Au début, on est plutôt dans un repère base de données euh, avec Prologue, mais plus tard, hein, on fera plus de la programmation. Peut-être pas dans cette vidéo-là, mais plus tard. Euh, et donc, c'est comme si, en base de données, j'avais fait euh, deux requêtes, ou une requête avec euh, deux variables, ou deux, deux champs, euh, dans des tables différentes, et puis que j'avais fait une jointure sur euh, la, une variable intermédiaire qui, qui serait la mère, qui devrait être la même les deux côtés c'est l'identité c'est la clé entre les deux donc si je pose cette question là ben, il va je sais pas comment euh, il a un moteur pas non plus pas, il ne faut pas rêver hein. il n'a pas inventé euh, grand chose mais euh, il va trouver que rose si on cherche la mère de, enfin, de rose ça va être laura et puis euh, la mère de laura on va trouver que c'est caroline et du coup la grand-mère de rose on pourra déduire que c'est caroline donc si on veut l'écrire sous la forme d'un nouveau concept la notion de petite fille eh bien, je peux l'écrire comme étant donc une petite fille, enfin, un individu que je vais nommer fille là, euh, sera petite fille d'un autre individu, grand-mère, si à partir du moment où j'ai trouvé déjà à partir de cette fille-là, sa mère, et à partir de cette mère-là, qui fera la jointure, euh, sa grand-mère. Donc ça s'écrit comme ça, avec ici comme là, une virgule pour euh, coordonner les deux, euh, les deux requêtes, et qui signifie et, c'est comme un et ou je fais d'abord la recherche de la fille, puis la recherche de la mère. Alors, mais c'est un peu différent justement par rapport à... Si ce n'était que de la logique, ça serait vraiment un et euh, Comme c'est aussi quelque part un peu de la programmation, on va pouvoir aussi là commencer à voir le début de la programmation, comme le et comme étant une forme de euh, séquence d'action à réaliser. On fait d'abord cette séquence-là, on cherche la réponse à ça, puis après on cherche les réponses à la deuxième. Donc on fait les choses en séquence. Donc, du coup, la réponse tout à l'heure, Rose, euh, les est petite fille de qui Je vais pouvoir là, cette fois la poser avec le nouveau concept euh, dont... que je viens d'introduire. Et il va me répondre directement Caroline. Je ne vais pas avoir l'intermédiaire Laura, mais en interne, il y aura l'intermédiaire euh... Ce qui est amusant, c'est qu'on peut poser la question inverse c'est-à-dire, euh, la grand-mère, elle est grand-mère de qui Alors, je ne vais pas poser avec Caroline, parce que Caroline, elle est, enfin, si on peut faire, Caroline, elle est juste grand-mère de. Euh de rose, donc on trouve rose, on, le, le moteur se trompe un petit peu, pense qu'il y aura d'autres solutions, donc propose d'autres solutions, puis finalement on ne trouve pas d'autres solutions. Euh, mais avec Charlotte, c'est plus marrant. Parce que Charlotte est effectivement grand-mère de plein de monde. On ne se trompe pas, hein, ça ne va pas donner Rose cette fois, mais ça va donner euh, Alice Ella, Marie. Donc c'est le troisième niveau. Hein, euh, Alice Ella, Marie, Laura et Carrie. Et donc ça, c'est euh, déjà un peu plus... Euh, intéressant comme, comme requête. Et là encore, hein, c'est le même programme, quelque part, qui décrivait seulement les, les relations qui doivent exister entre fille et mère et qui, selon la manière dont on l'interroge, permet d'un côté de faire effectivement euh, la construction de la grand-mère et d'autre côté la construction de la petite fille, la recherche de la petite fille, avec plusieurs exécutions qui sont toutes indépendantes et qui donnent à chaque fois, ceci dit, un résultat qui est correct. Ah, donc on a introduit la... la... La, la séquence d'action, l'une à faire l'autre ensuite avec la virgule. Euh, après la séquence, on peut essayer de faire la conditionnelle. Alors la conditionnelle, ce n'est pas forcément non plus une conditionnelle, mais euh, euh, elle apparaît quand, par exemple, on cherche les proches d'un euh, individu. Euh, C'est moi qui définis là pour l'instant son proche. Hein. Euh, C'est euh, soit fille, soit mère. Donc euh, ceux qui sont à une relation 1 un, euh, par rapport à un individu. Donc euh, si je voulais le faire à la main, euh, je serais obligé de faire deux requêtes. Pas mis le point. Euh, pour travailler par exemple, par exemple les proches de Caroline, dans un premier temps je trouverai Charlotte, la mère, puis dans un deuxième temps je chercherai les, les autres les proches de type fille, donc j'aurai Marie, Laura et Carrie Et si je veux les mettre les deux dans un même programme, alors ça va être un programme qui, on a l'impression de faire deux programmes, en fait non, c'est le même programme mais avec deux variantes, une première variante qui cherche les filles euh, à partir de, de l'individu qu'on cherche. Et puis là je l'écris, alors je vais peut-être les réécrire pour que ce soit plus propre. Euh, à partir de, de la mère. Mais euh, mère et fille, c'est le même programme, simplement on a versé les choses. Donc là je préfère l'écrire comme ça. Euh, donc puis même j'aurais pu mettre des lettres XY, je crois que je l'ai fait. Voilà. Si j'avais mis juste des lettres XY, on ne verrait pas où sont les filles, où sont les mères. Euh, ça serait peut-être, euh, sauf que ça serait mère ici. Il faudrait que j'écrive euh, et que j'inverse ça. Voilà. Euh, donc, on aura un programme qui exécute soit la recherche de fille, soit la recherche de mère. Au final, dans les deux cas, euh, à partir de Caroline, on pourrait trouver donc euh, les proches donc euh, proches de Caroline. Donc, euh, c'est à nouveau sa mère. Puis, pardon. Puis après, euh, c'est ses, ses filles. Il n'y a, a pas les sœurs pour l'instant. Les sœurs, elles sont proches, mais à degré 2 quelque part euh, dans cette relation. Si euh, et cette question-là, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on pouvait inverser la notion d'entrée de, et de sortie. Euh, là, si on inverse la notion d'entrée et de sortie, euh, en fait, bah, ça donne, alors peut-être pas dans le même ordre, mais le même nombre de résultats, et globalement, euh, Charlotte apparaît dans les résultats, Marie apparaît dans les résultats, Laura et Carrie. Donc, à un ordre près... On obtient les mêmes résultats parce que la relation proche, euh, telle que je viens de la définir, elle est quelque part symétrique. Alors, bon, je, je passe sur les y. Maintenant, si on continue un tout petit peu, euh, alors pourquoi j'ai euh, dit tout à l'heure que ça c'était une conditionnelle Alors, c'est pas forcément une conditionnelle au sens fort, euh, mais c'est euh, ce qui s'exprime là, c'est on fait l'un ou l'autre, alors du coup les deux vont être effectués dans des exécutions séparées, et euh, dans le, la conditionnelle, pareil, en fait on exécute l'un ou l'autre, euh, et donc euh, sous réserve qu'ici on pourra bloquer certaines exécutions, exécution, on aura vraiment une conditionnelle. Mais j'en parlerai peut-être plus tard quand je ferai vraiment de la programmation. Mais il y a quelque part là, c'est plus propre, plus, enfin, plus proche au niveau logique du OU euh, que la notion de conditionnelle rappelle ici c'était plus proche du excusez moi donc donc on a vu le et le ou quelque part la séquence et la conditionnelle des choses qui ressemblent à la séquence et à conditionnelle un tout petit bémol se méfier des fois la logique euh, est trompeur si par exemple j'essaie de définir la notion de, de sœur donc euh, ça, ça paraissait clair. En plus, ça paraissait naturel après père, mère, enfin mère fille, euh, grand-mère ou, ou petite-fille de voir les, les sœurs. En fait, euh, on risque de se tromper. Donc, c'est juste une parenthèse. Par exemple, si on définit un soin de sœur, bah, euh, A et B, alors euh, deux sœurs, donc, euh, bah, si elles sont sœurs, bah, si euh, elles ont une mère en commun. Donc, euh, j'aurais envie d'écrire le fait que A et B sont sœurs s'il y a une jointure entre enfin, où il y a. Concordance entre ah le fait que elle a pour mère elle a fille de une certaine mère que c'est la même mère qui est fille donc je parle pas là de demi de, de, de sœur ou demi frère c'est pas la question là hein. je, je, je n'ai que des euh, la sexualité à une seule personne c'est euh, bon, un peu spécial mais c'est pour simplifier un petit peu l'exercice on peut faire une version avec euh, père et mère et, mais c'est pas ça complique un peu donc, euh, si je pose la question, enfin, si je définis ce nouveau concept et que je demande est-ce que Marie est bien sœur de Laura, euh, donc il va me chercher la mère de l'un et la mère de l'autre et, et trouver que c'est dans les deux cas Caroline, donc il trouvera effectivement que c'est vrai. S'il cherche, est-ce que Marie est sœur de Ella, il va chercher la mère de l'un et la mère de l'autre, Martha et Caroline, sauf que Martha et Caroline, ce n'est pas la même mère et donc il va répondre faux. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est si on pose la question euh, du coup de trouver les, les, les sœurs de, de, de Marie. La première réponse qu'il va donner, malheureusement, c'est Marie elle-même, parce que euh, il va chercher parmi les, les gens qui euh, donc Marie comme mère Caroline, ok Et puis il va chercher pour les X quelconques une mère qui, enfin, une personne qui aurait aussi pour mère Caroline. Et La première personne qu'il va trouver qui a pour mère Caroline, c'est aussi Marie. Et donc on va répondre Marie. Après, il trouvera Laura et Carrie, qui ont aussi pour mère euh, ma, euh, Caroline. Mais euh, malheureusement, il a donné comme première réponse Marie. Et même, on peut essayer de vérifier, est-ce que vraiment Marie est sœur de Marie et, et il répond, ben oui, il n'y a pas de doute, euh, parce que Marie et Marie ont, euh, ont euh, on la même mère. Euh, et même, euh, une question beaucoup plus générale, si on a un individu X, est-ce qu'il peut avoir la... la, la est-ce qu'il peut être sœur de lui-même ben oui, oui, bien sûr, il peut être sœur de lui-même. Et, et pour tous, en fait, ils sont sœurs de lui-même. Alors, presque pour tous. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un individu qui ne va pas avoir une individu qui va pas avoir de, 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 de sœur, de elle-même comme sœur. Euh, C'est. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 individus. Il n'y a qu'un individu qui n'est qui pas sœur d'elle-même. Ben, C'est Charlotte, parce que Charlotte n'a pas de mère. Enfin, dans ce diagramme-là. Ouais et Si je vérifie, Charlotte, est-ce qu'elle a une mère Est-ce enfin, qu'elle est qu sœur d'elle-même Non. Mais bon, euh, ça, ce n'est pas le plus important, c'est la parenthèse dans la parenthèse. Euh, le, pourquoi il y en a un problème avec sœur C'est parce que la définition qu'on a utilisée de, de fille, en fait, euh, celle qu'on aurait naturellement de dire euh, un individu et, et deux individus, pardon, sont sœurs si elles ont la même mère, euh, elle comporte plein d'implicites. C'est que quand on parle de deux individus, on ne suppose pas le même individu deux fois. Donc, mais cette implicite-là euh, au niveau logique, c'est pour ça que c'est délicat la logique éventuellement. Hein, pas, on n'a pas tout gagné. Hein, on ne va pas rendre tout intelligent parce qu'on a utilisé la logique. Non, la logique, il faut aussi pouvoir décrire. Donc c'est ce, ce que j'ai fait ici dans un dernier prédicat sur, pour définir la notion de sœur. Euh, deux individus A et B seront sœurs seulement si donc elles ont la même mère, même parent, m que que p Père ou parent, euh, mais à condition que en plus il soit différent. sinon on arrivera à la, à, aux erreurs que j'ai produites tout à Du coup, là, on va obtenir que Marie effectivement a comme sœur seulement Laura et Carrie et pas elle-même. Euh, et si on veut vérifier vraiment, ben Marie n'est pas, pas sœur d'elle-même. De, et est-ce qu'un individu X peut être sœur d'elle-même? Eh bien, euh, là par contre, c'est assez joli, hein, qu'il puisse arriver à prouver que, quel que soit X, en fait, X ne peut pas être sœur d'elle-même d'après ce, ce diagramme. Euh, Qu'est-ce qui nous manque pour faire de la programmation plus tard euh, Ce n'est pas le plus important, mais je voulais juste montrer un petit peu, c'est euh, la notion de, de boucle. Là, pour l'instant, on n'a pas été chercher très loin. On a fait que des, euh, soit des, 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 des et des ou, donc soit des, des séquences, soit des conditionnels quelque part. Euh, euh, et puis on a inversé, on a fait des choses intéressantes, mais bon, Alors, on n'a pas fait des, des choses qui donneraient tout, tout, toutes les réponses. À 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. Donc, ça, ça c'est la notion d'ancêtre ou descendant. Et comment on va s'en sortir en, en logique Là, c'est une difficulté un petit peu pour la logique. Comment on va pouvoir. Donc, la notion de descendant, bon, donc, les descendants de Charlotte, ben, c'est tous ceux qu'on retrouve en dessous, les descendants de Caroline, c'est Marc, Marie, Laura, charise Rose. Et je ne peux pas le définir en disant c'est les filles et puis les petites filles, parce qu'il pourrait y avoir aussi des petites, petites filles, des petites, 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 petites filles. Sans hein, connaître dès le départ le diagramme, mais c'est pas. C'est ça que je veux faire. Euh, la notion de descendance, elle est euh, illimitée. Donc, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et je ne peux pas écrire comme ça autant de règles. Euh, là, tout à l'heure, quand j'ai défini euh, euh, mère ou fille, j'avais deux règles parce que j'avais que je partais un cran au-dessus ou un cran en dessous. Euh, là, je ne sais pas combien de crans je vais descendre une fois en dessous, deux fois en dessous, trois fois en dessous. Donc, pour y arriver, l'idée, c'est de dire, bon. Euh, c'est d'utiliser la récursivité. Et ça, c'est assez joli que la, 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 la logique et la récursivité ne soient pas incompatibles. En tout cas, ne soient pas incompatibles dans le moteur d'inférence qui est derrière. Dire qu'une un, personne, un individu, je vais l'appeler fille, sera descendante de... aura pour descendance, non, est descendante, pardon. donc Du coup, ce n'est pas la descendance dans ce sens-là que vous comptez, mais dans le sens... Donc, une fille est descendante de quelqu'un, descendante, en plus si euh, bah, par exemple si elle est fille de cette personne c'est clair et autre possibilité donc là j'utiliserai plutôt le ou donc deux règles euh, c'est si euh, donc elle est fille de quelqu'un et puis euh, de ce, ce quelqu'un je cherche une descendante enfin, une personne dont elle est descendante donc là j'utilise récursivement la définition de la notion d'ancêtre qui est dans un premier temps donc fille et puis on, on boucle quelque part sur cette, cette mère-là pour trouver son ancêtre récursivement. Ce qui va me permettre maintenant de connaître. Alors, en premier, je vais peut-être chercher euh, la rose de qui elle est descendante. Et puis après, je chercherai Donc, qui, si je veux l'appeler en majuscule. Donc Rose, elle est descendante effectivement de Laura, de Caroline, et puis si on continue de Charlotte, et puis si on continue, il eh n'y ben, a plus personne. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question que, que j'ai envie de poser, eh ben, Charlotte, est-ce qu'elle a des descendantes Non. Qui est descendant Enfin, qui a pour descendante Charlotte et là, il va faire des déductions pour trouver que dans un premier temps, Charlotte a pour descendant Martha, effectivement, puis on va voir apparaître Caroline, donc ça c'est les, les filles, puis Alice, donc ça c'est une petite fille, et Alta, ça c'est l'arrière-petite la, fille, et là, voilà, on ne va pas l'oublier, Marie non plus, Laura, Carrie, euh, Carrie, elle n'est pas encore sortie, pardon, Carrie, Rose, oh, dans un ordre euh, que je pas pour l'instant, et qui, euh, à la fin, dit, bon, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc il a fait plein d'exécutions, plein de, de déductions pour essayer d'en trouver, et encore et encore en faisant d'autres déductions possibles. Et à chaque déduction, quelque part, il a trouvé une solution, c'est-à-dire il a exécuté un programme qui était parmi les programmes possibles pour trouver une solution. Voilà, en un quart d'heure, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Euh, J'espère vous avoir montré euh, un petit peu le, une introduction à Prologue euh, et un peu à l'intelligence artificielle, comment on peut déduire des choses. Avec donc, le, les programmes en question, là ils sont super courts, euh, qui permettaient de décrire euh, les relations internes d'une famille et euh, comment, derrière, avec un moteur d'inférence, un petit peu, on peut faire de la, la de, des déductions naturelles. Donc, et euh, dans le, un petit peu comment, plus tard, ça va pouvoir donner, euh, comment ça pourra ouvrir sur d'autres façons de faire de la programmation. Parce que tout ça, quelque part, c'est aussi euh, programmer les choses. Pour retrouver les, les parents, les, les frères, les soeurs, ou les sœurs plus exactement. Donc ça, ça pourrait être aussi fait par des programmes. Voilà pour ce soir.